Bien, je dirais que c'est un résultat qui est satisfaisant par rapport à l'implication de nos gamins, parce qu'ils ont vraiment tout donné. On avait des joueurs qui étaient indisponibles et on se rend compte qu'en allant chercher un petit peu dans l'effectif, et ben, on a des ressources et que ceux qui ont joué aujourd'hui et bien, ont bien défendu les couleurs. Sur la première mi-temps, il y avait une bataille tactique qui était intéressante. Iser avait une fraîcheur physique assez importante et puis on a vu qu'en deuxième mi-temps, Iser a été un tout petit peu moins pressant, ce qui fait qu'on a eu une ou deux situations sans être véritablement dangereux, c'était uniquement sur des frappes. Mais après on a eu quand même un tout petit peu plus de facilité, pas de facilité, c'était un petit peu moins dur à défendre. Et j'ai trouvé que vraiment les garçons avaient été très intelligents, et ils avaient fait beaucoup d'efforts et c'est vraiment un résultat qui est synonyme d'avenir, parce que ça fait dommage de suite qu'on ne prend pas de but. C'est vrai que si on en marque un, ben ça sera bien, mais bon, pour l'instant, on essaye déjà de pallier aux deux défaites qu'on avait subies il y a 4 et 5 matchs en prenant 3 buts. Voilà, donc on est bien content, bien satisfait, et il faut continuer à travailler parce que le championnat est vraiment très serré. C'est pas facile de jouer chez le 4e ou 5e. On sait que Villefranche a une bonne équipe. On joue sur la synthétique, donc c'est toujours assez aléatoire. Nous, on a simplement joué pour essayer de gagner. On a tout mis. On a tout fait pour essayer de gagner. On a montré, je pense, un beau visage en ne trichant pas, en allant au bout de nos intentions, en dominant largement. Voilà. Bon, et par contre, il faut bien aussi noter que Villefranche a très bien défendu. Certes, a subi et n'a pas eu souvent le ballon, mais a très bien défendu avec les forces d'aujourd'hui. On était content que Maxime ne rajoute pas, donc on savait qu'on allait pouvoir avoir le ballon souvent sans être trop embêté défensivement. On n'a concédé aucune occasion et on en a eu quelques-unes en première. C'est sans doute en première qu'on a loupé le coche. Par contre, je trouve qu'on est dans le vrai parce que, et dans l'état d'esprit, et dans l'énergie dépensée, et dans l'organisation et la rigueur, on a montré un beau visage, on n'a jamais été mis en difficulté, et on a su être, certes pas assez tranchant dans la zone de vérité adverse, mais dans le jeu, on a su être très bon. Je pense que tout le monde disait que c'était la meilleure équipe qu'ils aient vue ici depuis le début. Je suis content d'écouter ça. Donc, voilà, aujourd'hui, on s'attendait à un match très athlétique. Une équipe en face qui était bien en place et puis surtout très bonne défensivement puisqu'elle a pensé les coups de but. Donc on est dans la continuité de ce qu'on a fait contre la réserve de l'OL, donc très solide défensivement, très bon dans la communication, dans l'état d'esprit. Après, point de vue occasion, on s'est trouvé moins d'occasions que la semaine dernière, mais dans l'ensemble c'est très positif et puis pour la suite, pour le maintien, c'est très encourageant. Maintenant, le petit manque, on va dire, c'est il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Bon, aujourd'hui, on va se contenter d'un très bon match collectif et puis continuer